Écoute-moi bien. Comme dans chacune des épreuves, pas d'affolement. Tu regardes bien. À ta gauche, il y a des munitions. En face de toi, il y a un personnage du fort qui, comme tous les personnages, défend ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? Tu n'essaies pas de dégommer le personnage, tu essaies de dégommer ce qu'il y a au-dessus de lui. D'accord? Et ensuite, à chaque fois que des boîtes tombent, deux ou trois boîtes sont tombées, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du bruit, mais ce n'est pas forcément la clé. Attends, d'accord? Tu peux recommencer tout petit peu avec le visage d'Isabelle, parce que c'était quelque chose de formidable. Vas-y. Écoute, Isabelle, vas-y. Refais, vas-y. Non, non, mais ça ne marche plus. C'était comme ça. D'accord? T'as bien compris? T'as bien compris ce que je t'ai dit? Isabelle Mire, entend l'écouter. Oublie le personnage. Ah oui, mais je suis concentrée. Moi, je voudrais qu'il y ait la clé. Je dégomme ce qu'il y a autour du personnage. Au-dessus du personnage. Au-dessus. D'accord? Avec les munitions qui sont sur la gauche. Voilà. Et tu as même tué là. Attends, pas un autre. On va finir par t'expliquer quand tu seras à l'intérieur. Voilà. Venez là. Il y a une grosse voix qui lui dit qu'une fois que 4 ou 5 boîtes sont tombées, il faut qu'elle regarde ce qu'elle est là. Écoutez-moi, parce que c'est important là. Il faut que quelqu'un. Va voir ce qu'il y a dans les boîtes, Isabelle. Isabelle, regarde ce qu'il y a dans. Passe par-dessus, va voir. Non. Va par-dessus, elle passe la main à travers les barreaux. Si les boîtes sont trop longues, tu vois, elle a à sa gauche une perche qui va lui permettre d'attraper les boîtes. Voilà, c'est une perche pour attraper les boîtes. Écoutez-moi. Pas d'affolement là. Ah, la perche. Qu'elle regarde ce qu'il y a. Il y a au moins 4 ou 5 boîtes. Qu'elle regarde ce qu'il y a à l'intérieur déjà. Parce qu'il y a des choses qui font du bruit, mais c'est pas forcément. Non, 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 non. Allez, Isabelle. Il n'en reste plus que deux. T'auras vraiment patience si tu ne veux pas tomber. Une autre. Essaye de passer pour prendre les boîtes par-dessous la grille. Elle n'y arrive pas, je crois qu'elle par est. Par-dessous la grille. Elle est branchée. Non, mais là, elle y arrive, forcément. Allez, Isabelle. Oh là. Allez, Isabelle. Elle est sûre que c'est pas la clé. J'ai l'impression qu'elle regarde vraiment rapidement à l'intérieur des boîtes à chaque fois. Allez, encore une, après tu peux prendre celles qui sont plus loin. Oula, on va prendre une boîte sur la clé. Elle est meilleure quand même. Elle regarde bien à l'intérieur. J'espère que. Tu peux passer ta main à travers les barreaux, Isabelle, si c'est plus simple. Elle n'y est pas? Continue alors. Il y en a encore par terre ou il y en a encore? Oh là là, il faut cette clé. Il y en a encore une en haut. Il faut que ce soit celle-là. Toujours pas. La dernière. Là, après, il faut qu'elle revienne. C'est la dernière, après, tu reviens. Il faut que ce soit celle-là. Allez. Il faut que ce soit celle-là. Allez, vite. Il faut qu'elle revienne. Sors. Faut qu'elle revienne. Sors. Tu l'as? Ouais! Oh là là là, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. Formidable. Bravo Isabelle. Tu veux pas ça? Voilà. Et moi, je peux vous dire que j'avais un œil sur le capitaine et que le capitaine commençait à être un peu désespéré.